Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur Project Zomboid en compagnie de Roger qui, comme d'habitude, est en train de se reposer. Après quelques efforts fournis, il a besoin d'un long repos et peut-être aussi de dormir après s'être reposé. C'est possible. Pour autant, la dernière fois, on avait franchi une première étape puisqu'on avait pris ce point et que surtout on avait remonté sa sœur, on l'avait peut-être pris avant, je sais plus. Et puis on avait progressé en menuiserie. Pas beaucoup, mais un peu. Donc, bon, ça, c'est pas mal. 101 kilos, ça s'arrange aussi. Il a soif. Normal. Normal, normal, j'ai pas remis d'eau dans la bouteille. Il a mal partout parce qu'il a fait du sport. A-t-il envie de dormir? Il souffre trop. Il souffre trop, le pauvre. Je pense que je vais le faire dormir et qu'il va reprendre son opération sac. Au niveau de l'école, je pense qu'il dormira pas forcément très très longtemps là. J'espère. Il y avait plus d'eau ici. Il y avait plus d'eau. Là, peut-être dans cette petite buanderie. Il y a pas. Des toilettes? Quelque chose quoi. Le pauvre gars. Il a soif. Il a soif, mais dans sa maison, il n'y a plus rien. À l'étage, alors retourne à l'étage. Et puis dehors avant. Là, t'as plus mal. Profite, dehors un peu. Pas longtemps, hein, s'il te plaît. Mais quand on lui dit pas longtemps, il se réveille et il y a un hélico au-dessus de sa maison. Mais non! Aïe aïe aïe! Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et il a mal. Cette maison qu'il a sauvée tant de fois, qui était tranquille, éloignée de tous les aides de la région. Bien, cette maison, elle est survolée par un hélico. Il va devoir la défendre parce qu'il est resté longtemps dedans, donc je pense que ça va malgré tout attirer des zombies, non? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va attirer des zombies? Bon, j'espère que les courbatures vont passer et j'espère qu'il va pas rester trop longtemps. Bon. Peux-tu te reposer encore? Repose-toi parce que ça te fera du bien. T'aimes bien te reposer de toute façon. On laisse l'hélico partir. Tu veux te reposer encore? Vas-y. N'hésite pas. Voilà, il est parti. Bon, tout est noir, hein, c'est sûr. Il n'a pas mangé aujourd'hui. Et les zombies n'ont pas l'air de venir. C'est un endroit où apparemment ils ont du mal à venir. Ouais, pour autant, on en a vu un là-bas et il n'y en avait plus dans le coin. Hein. Je pense que là, pour aujourd'hui, il va peut-être taper du zombie. Ça lui permettra de continuer à prendre quelques points. Bon, il y a un zombie qui est rentré. Je pense que ça va être gérable. Le revoilà déjà? Sérieusement? Oh, attention quand même. Attention, t'es pas de taille. Hein. Tu fais pas le poids. Oh là là. Ça, c'est trop. Il rebrousse chemin. Pas bon pour lui ce qui se passe là. Il va rentrer dans sa maison et se reposer. Il a le cœur qui bat la chamade. Il peut plus se reposer. Il peut même plus faire ça, le pauvre. Il va manger alors, parce que quand même faut qu'il se nourrisse. Pas qu'il dépérisse non plus. Hein. Voilà, ça te fera du bien. Reprends des forces. Ça t'a à peine nourri. Tu as mangé du thon. Il déteste ça. Roger déteste le thon. Tu as mangé une salade de fruits. Il déteste aussi ça. Et t'avais pas un ouvre-boîte, Coco?
Ça, je me rappelle que, oui. Il avait laissé son ouvre-boîte par terre. Ça t'apprendra, tu mangeras des petits pois. Il déteste encore plus ça. Bon bah, de toute façon là, il sera passé l'hélico. Je sais plus si j'en avais mis plusieurs. Ça m'étonnerait pas de moi. Non, je ne sais plus, je me rappelle plus. Ou alors je suis parti. Non, j'avais rien configuré. Non, non, on est en apocalypse classique. Donc, non, pas plusieurs. Juste un. Ce sera celui-là et après c'est tout. Ça va mieux, regardez. Douleur légère, déjà, il pourra se battre un peu. Il a trop chaud. Oh mon dieu! Un zombie! Un zombie près de sa maison. Il a vu un zombie. Il est parti. Fais pas de bruit. Couche-toi. C'est recroquevillé. Ici dans le front. La peur, l'angoisse, le tenaille. J'ai jamais vu un hélico rester aussi longtemps en stationnaire. Il veut ma peau, quoi. C'est pas possible. Ça a l'air d'aller mieux. Ça va. Les zombies sont autour. On va tourner autour de la maison, histoire de nettoyer, et puis on remet au lendemain, malheureusement, la sortie. Au niveau de l'école. Bon, ça va. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est paisible, ce quartier. Hein. Quartier paisible par excellence. T'as un hélico, ça te ramène pratiquement rien autour de ta baraque. Ah bah. J'ai parlé trop vite. Avait-il parlé trop vite? Un hélico revient. C'est la troisième fois qu'il passe au-dessus de ma maison. Quand même, assez impressionnant. Toujours quelques zombies autour, mais pas beaucoup. Et d'un seul coup, on aperçoit une marée de zombies. Et là, on comprend. C'est trop tard. Ouais, il y en a pas mal là au-dessus. Enfin, pour lui, c'est beaucoup. Hein. Pour un perso classique, ce serait très peu. Il en a attiré deux. On va commencer par ceux-là. On regarde derrière, mais ça a l'air d'aller. Il y a l'autre qui arrive aussi. Ok. T'as vu ce que t'as fait, Lico? T'es content? On a effectivement attiré d'ailleurs. Bat avec le reste de ses forces de la journée. Et l'autre il me tourne au-dessus quoi. Eh oh! On va revenir, on va revenir! Complètement con hein, quand même. Ils sont là pour nous faire crever en vrai. C'est des sadiques. Allez, tue-moi ça vite fait, comme ça t'en as plus que deux derrière. Je crois que lui a un holster. C'est bien, il fait un carnage. Pour lui, c'est une tuerie, ça. Ah, attention. Mais, fais quelque chose! Pourquoi ça m'a mis le carré? Sérieux? Merci, merci pour ce misclic débile. Tout allait bien. Allez, Roger! T'es mal, là. Ça va plus. Ça va plus pour lui. Faut dire, le brave hélico, là, il s'acharne. Faut pas dire qu'il y a pas mis du cœur.
Il s'est acharné. C'est impressionnant. À ce point-là, c'est quand même pas fréquent. S'il ne me voit plus, peut-être. Roger les a semés. J'ai l'impression que oui. Certains sont peut-être partis pour suivre l'hélico ailleurs. Non, te frotte pas au buisson. Il y en a deux là. D'autres qui partent. On va s'occuper de lui. Faut nettoyer le quartier maintenant. Il va battre son record de zombies tués là. En une journée. Ah peut-être. J'ai du mal avec celle-là. Plus il donne deux coups, mieux c'est. Trois là-bas. Un qui reste. Deux, trois. D'accord. Non, quatre. Pas bon. Pas bon parce qu'ils se sont tous rués. On en tuer un déjà. Ah, dommage. Pas trop. Ah ouais, mais tape pas à côté. Elle, elle était un petit peu faible. Ah non, ça pue pour lui, là. D'un seul coup, ça change. Ce n'est plus la même histoire. C'est un homme complètement à la dérive qui se présente face à 5 zombies qui n'ont pas l'air de plaisanter. Pourra-t-il les vaincre? Je pense que non. Les connaissant, on sait que ce sera dur. On en tue un, Roger. La nana, elle revient à la charge. Ah purée, mais un autre encore. Il va devoir y prendre à plusieurs fois. Alors à chaque fois, elle me rejoint quand je pourrais la tuer, quoi. Voilà, il ne restait pas grand-chose. Je le sentais. Allez, vas-y, finis en vent là. Ouah, bien. On a un rampant, c'est cool. L'autre, il nous fait une petite manœuvre d'encerclement là. Ah non, on passe pas à travers. Casse-toi, ça va pas du tout, Roger. Et on a un nouvel invité qui se pointe. Ah, Stélico l'a mis très très mal. Hein. Au final. Un combat épique s'est engagé pour lui. Pour sa survie. Malgré tout, un bon coup de marteau placé entre les deux yeux lui permet de voir la vie s'allonger. Pour combien de temps? Ce serait bien que tu prennes ce fameux point là. Un point. En n'importe quoi, même pour ton arme à la limite. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ah. Ok, voilà, il nous a fait un truc de fou. Un enchaînement incroyable. Je vais le reposer un peu et continuer à vider le quartier parce que je pense que c'est pas forcément très très bon. Toujours pas. Il y a du monde autour. Oui, regardez, c'est ce point-là dont je parlais. Donc oui, fitness, on y est presque. Hein. Il y a à peine 100 points à prendre.
Ah, la fatigue, normal. Fallait s'en douter quand même. Le connaissant, c'était bizarre. Ça lui fait 61 zombies tués. Purée. Qu'est-ce qui... Une machine à tuer les zombies, quoi, le Roger. Hein. Voilà, il s'est posé un peu. C'est marrant, il s'est moins essoufflé que d'habitude quand même. Hein, c'est à noter. Pourquoi? Alors là, je saurais pas vous dire. Qu'est-ce qui a changé? T'es toujours obèse. T'es toujours faible. Je sais pas. Rien a priori. C'était un jour comme ça. Où il se sentait mieux. Où il avait la patate. On avait bien dormi, hein. On avait bien dormi avant. Et on s'était bien reposé plusieurs fois. Roger, on tasse les corps. Un phénomène. Je vais aller voir dans le petit cabanon au-dessus parce que je l'ai jamais fait. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Attention. Je savais qu'il y en avait d'autres parce que quand même on avait vu du monde. Ça va ramper. Attrape-moi ça. Attrape-moi ça, Roger. Attention, il y en a une autre. Attention. Une configuration qui était pas bonne. Détruis-la. Voilà. C'est bien. Il faut absolument assainir ce quartier qui était sain avant le passage de cet hélico. Et un passage qui a duré, hein. Franchement, il faut le remarquer. Il n'y a pas eu de bol. Des fois, ça va vite, mais alors lui, il a subi ça pendant un certain temps. Ah oui, il y a les gens quand même. Bon, sinon, ça va. Cette entrée-ci, c'est propre. On va pouvoir aller vers l'autre. Ouais, en talent aussi, alors ton arme. Oh là là, c'est incroyable. Il ira jamais au bout, hein. S'il prend 3 points, ce sera beau. Le temps qu'il va lui falloir. Quand il tue un zombie, genre il prend 0,3. Ouais, c'est fou, quoi. Ah. Pareil, l'entretien, il est qu'à 28. J'ai jamais vu ça. Impressionnant. J'ai cru voir bouger là. Juste quand je passais au-dessus. Pour moi, il y avait peut-être un Z encore. Voilà, bien sûr, on le voit plus. Moi, j'ouvre directement ici. Bon, à la limite, casse. Casse, ça va plus vite pour toi. Ah bien, un autre. Ah, ça, je crois que j'ai. À la limite, si on a besoin de réservoir propane, on viendra. Mais je crois qu'on pourra pas faire grand-chose en travail des métaux, puisque de toute façon, on peut pas lire les recettes. Donc ça limite quoi, en gros. Bon bah, prends pas. Le maillet est pourri. Le maillet est tout pourri. Ça, on pourra jamais l'utiliser aussi. Il peut pas brancher. C'est pas. Il pourra pas apprendre. Coucou les aides. Vous pouvez pas me bouffer. Du coup, on va déposer ce précieux butin dans notre maison. Une maison préservée jusque-là. Ce qu'on redoute pour lui, là, c'est bientôt la coupure. D'électricité.
que là, ça s'est bien passé, mais ça va pas durer. D'ailleurs, ta petite pêche fraîche, là. Tu vas pouvoir la déguster. Il reste un peu de pain qui commence à être pas très bon. On va le bouffer aussi. Et on espère qu'en dormant, on va reperdre un kilo. Avant de se coucher, il pourrait donner les derniers points pour le fitness. Ouais, c'est faisable. Il va s'entraîner. Il va se faire ça, le gars. Va poser tes affaires. Toujours au même endroit. Il ne reste que 15 clopes. Allez, tu montes. Je pense qu'il n'y a plus d'émission. Là, c'est terminé. Sport, entraînement. Squat. C'est parti. Et on fait une heure. Et on va célébrer le premier point en fitness. Alors ça, ça va être bien. Là, on regagne sur l'essoufflement. Ouais, regardez ça. Grande nouvelle. Il a déjà 125 sur 3000. Ça, c'est une grande nouvelle pour lui. Tu peux aller te coucher. Donc, objectif du lendemain, on l'a dit, un sac. Comme on n'a toujours pas de points, ça, le truc fitness, c'était important. Ouh. T'es sûr que t'es pas encore fatigué? Il vient à peine d'être posé, hein, à mon avis. Ouais. Ça m'étonne pas. Je suis pas étonné, il pourrait redormir. Ouais, recouche-toi. Ah, il y avait une émission encore. Mais combien de temps ça dure? Incroyable. Roger va mieux. Combien pèses-tu de kilos? 100 maintenant. Il fond. Il est en train de fondre littéralement. Ton marteau est très abîmé. Tu vas prendre celui-là. Voilà. On pourra trouver des antidépresseurs. Mais bon, là, il va ressortir. Tout ça, il est plein de sang. Donc, ça sert à rien. On s'embête pas plus que ça. Voilà, t'as ton marteau à la ceinture. Attention, jour de brouillard. Il connaît pas, lui. Ça y est, ça l'angoisse directement. Et là, c'est parti pour un périple qui, on l'espère, va lui permettre d'avoir un sac. Il changerait bien des choses. Car ça permettrait enfin de pouvoir sortir plus longtemps. Sans être trop chargé et s'essouffler très vite. Et puis d'autre part, l'autre truc qui changerait bien des choses, ça serait une voiture. Et devant l'école, il y a un parking. Faudrait jeter un petit coup d'œil. Ouais, tu aussi. Ça te permet de monter. Un point changerait bien des choses, ces armes-là. Il tue lentement. Hein. On dirait que ça baisse. 23,82. On dirait carrément que ça baisse, quoi. Les deux aides là. Je vais regarder, hein. Elle perd pas des points quand même. Prends de l'XP, n'en perd pas. Bien pratique cette petite barrière ici. Là. Ah là, c'est raté. Malheureusement. Allez, donne beaucoup de coups de marteau. Voilà, on regarde. 24, ok, ça fait un petit bond léger. 2 Z tués. On prend même pas un point d'XP. Il va falloir en tuer beaucoup. Hein. Je pense que comme il a commencé à monter ses armes-là, de toute façon, ça va être la priorité. Et c'est celle qu'on trouve le plus. C'est le type d'arme qu'on trouve le plus.
Allez, petit Z. L'hélico, on a remis partout. Aide-le à monter. Quelqu'un qui tape. 24,94. Est-ce qu'un tiers du chemin est fait? Autant dire, pas grand-chose. On va peut-être sur les aides, des fois il y a des antidépresseurs. Après, je pense que je les avais globalement tous fouillés. Du calme, l'ami. Du calme. C'est le marathonien du marteau. On avait trouvé une maison barricadée, c'est celle-là. Ça semble être ressortie. Elle est vidée maintenant. On peut juste faire un petit coup d'œil complet là. Qui sait, peut-être on trouvera à l'intérieur bien plus que ce qu'il y avait dans le garage. Pas vidé hein. Alors lui il a la clé. Quelle merveille peut-on trouver ici? Ah ok, pourquoi? Ah d'accord, ah oh, c'était bien fait, génial. J'ai pu le fouiller et d'un coup il se lève. Ça m'était jamais arrivé, c'est ça. Toujours lui, et ça tape. On a déclenché quelque chose là-bas, ça tape. Là non. Là non. Ok. Il n'y a rien de plus sinon. Pas l'air. On sait, lui, les livres. A priori, c'était le garage qui était intéressant ici. Tu trouves le chemin, s'il te plaît? Bravo. Parfait, ça. Parfait pour notre diète. Et tu gardes la pêche pour après. Oh bah bien! Allez, un sac, s'il vous plaît. Oh merci. Excellent. Pour l'instant, je peux pas trop fumer parce que. Il est souvent sale. Oh bah parfait. Ah! On utilisera le pied de biche beaucoup, je pense, après. Il y a une batte aussi. Ok. Allez, courage. On est loin de l'école, mais... Comme ça, on voit tout ce qu'il y avait ici. Ah bah, il y avait plusieurs Z, hein. Ouh, c'est un petit peu angoissant. Bien en tout cas hein, cette maison. Regardez ça, il a tout un petit stock de trucs qu'il va pouvoir utiliser. Même là, on y reviendra donc. Mais on n'a pas trouvé de sac. Ou alors j'ai mal vu, mais en tout cas j'ai pas l'impression. Ah oui, c'est barricadé, bien sûr. Tout est fouillé, on embarquera tout. Il nous faut le sac là maintenant. Le sac, par contre, va falloir éliminer des aides et se poser. Je sais pas si on l'a aujourd'hui, hein, c'est pas sûr, hein, c'est pas dit.
Voilà, il a fait L. Au 3 là-haut. Ils sont beaucoup là. Ils viennent pas. Pourquoi t'as mal? Alors là, mystère. Je vais avoir mal. Ah oui, si, oui. Non, pas de mystère. C'est parce qu'on a fait encore une fois des tractions. C'est vrai. J'essaie d'atteindre mon objectif, mais... j'ai des doutes. Le doute est sur lui. Prends un tournevis de plus, why not. Ouais, il y a... oh! Une voiture. Un petit van, là. C'est vrai qu'on n'est pas descendu si bas. Tu te calmes un peu, là. Allez, tu l'as. Deux. Sûrement d'autres, hein, j'imagine. Un groupe là-haut. Ouf, d'accord. Pas bon. Fermé. Non, pas fermé, mais... fermé derrière. Ok. Fermé là par contre. Faudrait que je me pose. 12 heures. Ça c'est les deux de tout à l'heure. Il y a quelqu'un dedans. Une aventure épique. Ah, pour trouver le moindre truc. Bon, à part la maison barricadée qui en fait était un bon petit coup de bol au final. Et sinon, on a du mal, hein. On a du mal. Alors, pour aller dans une quincaillerie, enfin, tous les lieux un petit peu centraux, ça va être chaud. C'est pas pour tout de suite. Pourtant, il continue à tuer. Comme il peut. Il fait de son mieux. Encore et toujours. Voilà, tu casses, t'observes ce qui se passe. On n'a pas à bouger là-haut. Dedans, il y a quelqu'un, tu le sais. C'est pas là. Repose-toi un tout petit peu. Voilà. Et débarrasse-toi de cet ennemi-là. Parfait, prends-lui sa clé à la limite, c'est bien. Ah, il y a des trucs qu'on regarde par habitude, mais avec lui ça sert à rien en fait. Éventuellement un sac. La map sans sac. Il se mange un petit brocoli. Oh, il dormirait bien une petite heure ou deux. C'est pas forcément handicapant. On va fouiller la baraque aussi pour voir s'il n'y a pas les clés de voiture. C'est vrai. C'est jamais. J'ai pas tout fouillé. Ah, je commence à avoir tout fouillé. Je crois qu'il n'y a pas les clés de voiture, tout simplement. Voilà. Paraît clair. Du coup, Coco, tu vas fermer les rideaux. Et juste dormir 2-3 heures. Non, tu souffres.
Prends des cachets. Attends que ça fasse effet. Normalement, c'est quand c'est légère douleur. Voilà, légère douleur, tu dors. Et réveille-toi à 17h. Parfait. Et t'es reparti. Attends, t'as pas ouvert ça. Un autre marteau. Mais il est pas terrible. Vu comme ça pèse sur ses maigres épaules, je préfère pas prendre. Là par contre, je galère, je sais pas où aller. D'accord, c'est là. Pour monter là, pour aller directement dans la zone qui nous intéressait. Je vais pas pouvoir y aller, hein. Ça va être mort. J'arrive pas à atteindre cette satanée école, quoi. Pour l'instant, je suis trop faible. C'est trop loin. On recule un peu. On va essayer de tuer un de ces aides-là. On regarde un petit peu derrière, on sait jamais. C'est pas bien là. Pas confortable à nouveau. Fallait au moins qu'il y en ait un qui meurt là. Deux, ça serait parfait. Allez, allez! Voilà! Ouais, je... crois qu'on ait quelqu'un derrière. C'est ça que je crains. Le rampant nous met dans une position précaire. De toute façon, c'est en se battant comme ça. Tu vas progresser, hein. Ça, c'est clair. Mais à un rythme, comme on l'a vu, lent. Même pas à la moitié pour l'instant. Pour son arme. Pour avoir ne serait-ce qu'un point. Petit cabanon là. J'ai l'impression qu'on était venu dans cette maison parce que c'est cassé et tout, non? Ouf! Même pas. C'est pas moi qui l'ai cassé, ça doit être un zombie. Ouais. Voilà. T'as tout compris. Marteau de la colère terrasse les ennemis de Roger. Malheureusement, l'appel du dodo va bientôt arriver. Il sera venu jusqu'ici pour finalement devoir battre en retraite. Observons. La scène n'est pas à la hauteur de nos espérances. Il faut en attirer peu. Pas tous. Quelques-uns. Voilà. Deux. C'est parfait. Deux, ça va le faire. Ah, d'accord.
Allez, allez, allez! Bien, c'est bien. Boum. Que c'est tendu. Donc ces deux-là, pour l'instant, ils nous intéressent pas. Là, ils sont plus que trois. Il y en a un qui vient. Allez, Roger, pour montrer qui tu es maintenant. Il a fait. Ne casse pas ton marteau. La dernière fois qu'on s'était approché, l'arme avait cédé, mais on comprend avec le nombre de coups qu'il doit donner pour se débarrasser d'un ennemi. On comprend, on comprend. Une ouverture. Une remontée timide. Oh là 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 là. Tellement de monde. Pour lui, c'est trop. Qu'est-ce qu'il fait comme rampant? On est surprenant. Allez, allez, viens là. C'est parfait. C'est-à-dire que j'ai pas envie de distiller ce petit groupe là au fur et à mesure. Ah, il avait pris de la force, mais c'est pas assez pour passer une barrière. Et là, il a dû s'essouffler. C'est pas bon. Ah, je vais devoir rentrer, je pense, c'est trop tard. Il y en a un qui vient, non. Bon, je vais rentrer. C'est l'échec! C'est l'échec, je suis aux portes de l'école. Bon, regardez. Bientôt la moitié d'un point de force. Hein. C'est marrant, la force, ça monte beaucoup plus vite. Mais alors, les armes, waouh. Les armes, ça blague pas. Hein. Bon, pour l'instant, j'utilise pas trop la discrétion ni rien. Parce que c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire monter en priorité. Ça, c'est ce qui nous pénalise le plus pour pouvoir avancer. C'est le plus pénalisant. C'est pire que les armes. Vas-y, viens. Voilà, crève. Il aura tué tout ce qu'il peut aujourd'hui. Est-ce qu'il a atteint la centaine de zombies tués? T'as plus d'armes, mec. Je doutais que ça finirait comme ça. Regarde ça, ils t'ont suivi, salaud. Ah, ils ont perçu quelque chose, hein. Ils se sont dit, c'est le moment. Courage, courage, courage. C'est bien. Couteau à beurre, dire ça. Sur ton chemin, il y a un Z. Ouais, alors, atteint, les 100. Oui, on les a même dépassés. Bah déjà c'est bien. Bon c'est dommage là il prend pas de points. Ah elle était morte, c'est parfait. Et puis je pense là que le chemin va être dégagé pour rentrer. Donc on va se quitter là pour aujourd'hui. Ah, attention. On entend qu'il y a encore un Z. Oh dis donc, casse-toi. Oui,
Je vous disais, on va se quitter là pour aujourd'hui. Alors là, il y a une armada de Z qui arrive d'un coup. Je pense qu'ils vont m'oublier parce que je vais rentrer ici en courant. Et que ça risque d'aller. Il a pris 5 en course. Hein. On sent qu'il n'aime pas ça. Donc bah oui, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures extraordinaires de notre ami Roger. Voilà, qui rentre chez lui toujours au même point. Rien ou presque n'a évolué. Allez, salut!